Eh ben salut les amis, salut les Maurice. Allez, on se retrouve pour le deuxième mode que je vous avais dit que je présenterais. Donc là, je vais ramasser un peu des betteraves parce que dans ce mode, on peut mettre des patates et des betteraves. Donc là, ce que je vais faire, merde, pourquoi j'ai éteint le, je ne sais pas. Alors, attendez, hop, voilà. Donc je vais ramasser un peu de betterave, comme ça j'ai testé donc avec la remorque. On va venir en chercher un peu plus parce que j'en ai, mais j'en ai pas assez. Enfin, du temps ça mettra en route la machine. Voilà, vous m'aurez compris. Donc ce deuxième mode, donc c'est le mix pic 2000 pour donc la nourriture à cochon. Je vous expliquerai ce qu'il faut mettre dedans, tout. Voilà. Donc, par contre, pour le mode là, pour la mix station mini mix station que j'ai présenté là, je crois qu'il y a eu une nouvelle mise à jour apparemment de ce mode. Il a fait apparemment, il y a une nouvelle version qui est sortie. Alors, je regarderai si vraiment ça a changé quelque chose. De toute façon, vous allez sur Games Mode, vous trouvez la version, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, là, on est en train de ramasser un petit peu des betteraves. Voilà. On va faire le tour juste histoire d'arriver. Oh mais on va même mettre plein avant, vous avez qu'à voir. Oui, j'ai attaqué le champ dans le mauvais sens. C'est pas grave. Ça fera baver quelques-uns. C'est pas de souci. Donc ça fait plaisir d'avoir des modes comme ça au moins qui arrivent, qui commencent à arriver. Mais j'ai toujours pas de. Ah bah je suis plein. Voilà, donc je suis plein. Impeccable, on va arrêter là. Allez, hop, on va sauter dans le. Donc normalement ça a dû se mettre en route là, je pense. Ouais, regardez. Ah voilà, parce que j'en ai versé un peu, regardez, donc ça s'est mis en route. Donc vous voyez, et normalement il y a une palette qui doit apparaître. Voilà, et donc vous avez votre palette qui apparaît ici. Donc je vais aller chercher et après je vous explique ce qu'il faut mettre. Hein. Allez, c'est parti. Oui, j'en ai dans... Oui, j'en ai, mais bon, je vais en mettre un peu plus du temps qu'on y est. Ça nous fait une petite balade et tout, tranquille, au calme, dans un Valtra. Hein? Donc, oui, donc du coup, c'est vrai que moi, je les attendais un peu, ces modes, la mixtation, surtout la mixtation pour faire la ration mélangée. C'est vrai que tu perds pas trop de temps, tu mets ça, ça te mélange. Bon, c'est vrai que ça fait pas... Moi, j'en connais pas, enfin, dans mon coin, dans ma région, j'en connais pas qu'une mixtation pour faire le mélange comme ça... Pour faire ça chez eux, quoi, pour moi avoir une grosse exploitation pour avoir ça, quoi. Je pense qu'on doit avoir peut-être ça aux États-Unis et encore, je sais pas. Oui, putain, j'allais dire, il est où mon champ de betterave? Il est là. Hop, donc du coup, mon tracteur, il a arrêté là-bas. Hop, on va partir là-bas. Ah, il y a une carte aussi, bah, je sais pas, je vais peut-être vous en faire une présentation qui est sortie sur le forum officiel là, qui s'appelle Lundsberg. Il y a pas mal de petits trucs intéressants dessus. Bon, voilà, hop, pas mal de petits trucs intéressants dessus. Bon, bah, je vous en avais déjà parlé, mais je vous ferai peut-être la présentation dessus. C'est une jolie carte, apparemment, c'est pas une vilaine carte, j'en ai fait le tour. Oh, il y a juste un truc qui me dérange, moi, c'est que les cochons ils sont au BGA, je vois pas trop ce qu'ils foutent au BGA, mais bon. Voilà, hop, c'est nickel, elle est pleine, allez, on va mettre ça là-bas. Comme ça, au moins, vous voyez une chose, parce que j'ai plus de céréales, donc quand j'ai testé, j'ai tout mis mes céréales et tout dedans. Donc du coup, je vais vous expliquer ce que vous pouvez mettre dedans. Il n'y a pas de saucisse, hein. Oh, il n'y a pas de saucisse. Bon, à part ça, j'espère que vous allez bien, hein. On est vendredi matin. Je vous tourne la vidéo juste avant de partir au boulot, tranquille, au calme, à l'aise. Je savais quoi faire, je dis allez, tiens, hop, on va tourner une petite vidéo, tranquille, juste avant de partir en boulot. Comme ça, j'aurai le temps de le peler dans l'après-midi, ou ça se trouve, j'aurai peut-être le temps de le peler avant de partir. Parce que là, le montage, ouais, ça va faire quoi, 4 minutes la vidéo, elle va faire, on peut pas, elle va faire 5 minutes, 6 minutes. Donc ouais, ah bah non, elle sera uploadée dans la matinée, ouais, je laisserai l'ordi, elle sera uploadée dans la matinée, ouais. Je pense que, merde, le montage l'aurait fini. Merde. Ah mais, je dis je recule pas, je suis coincé, mais non, j'ai oublié d'appuyer sur la flèche pour reculer. Oh là là, le fail.
Allez, on y va, tranquille, au calme. Puis je vais avoir pas mal de... Voilà, donc vous arrivez ici. Vous mettez bien, par contre, vous mettez bien à droite, hein. Enfin, à gauche. Voilà, vous reculez bien comme ça, vous mettez pas, voilà, parce qu'autrement ça vide pas. Parce que tout à l'heure j'ai eu l'idée, moi je suis arrivé au milieu et je me suis dit pourquoi ça vide pas. Donc je vais descendre et normalement on devrait voir les chiffres monter. Enfin, si j'arrive à y arriver, si j'arrive à arriver, ah, d'accord, hein, c'est française. Donc vous voyez, c'est marqué protéines 900 machin. Vous avez pas si tout écrit en allemand, tu comprends rien d'ailleurs. Pick mix 2000, pardon, qu'est-ce que je. Donc vous voyez, la palette commence à augmenter. Vous voyez, on a 166 litres. On a 700, 180, 184 litres de Herstock. Je ne sais pas ce que c'est, Herstock. J'ai marqué Herstock là. Herstock. Herstock. Céréales, je sais pas. Donc je vais vous expliquer ce qu'il faut mettre. Donc, alors, ici, vous mettez les céréales que vous voulez. Hein, soit... du colza, vous pouvez mélanger les trois. Moi j'ai mis les trois, vu comme j'avais pas assez de tous, d'une seule chose, j'ai mis les trois. J'ai mis du tournesol, j'ai mis du soja et j'ai mis du colza. Vous pouvez mettre les trois, il n'y a pas de souci. Mais bon, ça, après, ça ressemble plus à du colza qu'à autre chose. Et ici, vous pouvez mettre soit du blé, soit de l'orge. Moi j'ai mis les deux, hein. C'est pareil, vous pouvez mettre les deux, ça dérange pas, de l'orge, du blé, voilà. Et donc ici, vous mettez donc soit des patates, soit des betteraves. Hein. Parce qu'au début, j'ai vu, merde, faut mettre des patates et tout, j'ai pas de patates sur ce. Ah, j'ai attaqué en semée, donc je continuerai à les semer, on verra. J'ai attaqué en semée, voilà. Donc, vous voyez, protéines, machin, gna, c'est tout marqué. C'est vraiment vachement bien, enfin, c'est sympa à y faire, c'est bien qu'ils aient pensé à ça, comme ça tu peux faire un roleplay, quoi. Par exemple, ceux qui aiment bien faire le RP, là, ils disent, ah, voilà, ils font une petite usine de machin, hop, t'as le paysan qui arrive, voilà, je voudrais tant de palettes de. Hop, tu lui vends, voilà, quoi, c'est sympa, quoi, ouais, c'est génial. Donc, ici, tu mets le maïs, hein, je fais le couillon, mais. Et donc, vous avez la palette de bouffe pour les cochons qui sort ici, voilà, tout simplement. Voilà, bon, bah, j'espère que cette présentation de modes vous aura plu, c'est des modes sympathiques, bien pratiques, surtout qui servent à quelque chose, hein, parce qu'il y a souvent des modes, des fois, qui servent pas à grand chose. Je vous dis, ben, aimez, partagez et abonnez-vous. Salut Maurice!